Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec le Corriere dello Sport qui est encore à fond sur cette finale de Coupe du Monde et sur le titre de Lionel Messi. Car comme le montre la une du journal, Messi rentre chez lui avec le plus beau des trophées. C'est le retour des champions, résume le quotidien transalpin. Et c'est également ce qui fait les gros titres de Tutto Sport ce mardi, mais cette fois c'est Angel Di Maria, le joueur de la Juventus, qui fait la une. Le club, son coach Massimiliano Allegri et tous les fans s'attendent à ce que Fideo revienne dès que possible avec Leandro Paredes et qu'il montre à Turin toute la détermination qu'ils ont mise pour emporter cette Coupe du Monde. Les nouveaux champions du monde font également beaucoup réagir outre-Manche, avec par exemple le Daily Mirror qui s'essaye à l'Espagnol ce mardi. Elle rentre à la maison, s'amuse le tabloïd en référence au célèbre chant des Anglais, It's coming home. Même son de cloche en couverture du Sun ce matin, l'arrivée de Messi et de l'Albicéleste fait rêver le média qui s'attend à de folles célébrations. En revanche, du côté du Manchester Evening News, c'est une autre info qui fait réagir, à savoir le démenti de Marcus Rashford. Son contrat avec les Red Devils prend fin à l'issue de la saison 2023-2024 et de nombreuses rumeurs ont affirmé qu'il prolongerait avec EMU si on lui proposait un salaire d'au moins 400 000 livres par semaine, soit plus d'1,8 million d'euros par mois et donc environ 22 millions d'euros par saison. Mais l'international anglais a nié ces informations comme le rapporte le journal. Pouvons-nous s'il vous plaît arrêter d'inventer ces histoires, a demandé Rashford avant de conclure. Mes objectifs et ceux du club sont d'espérer accéder à la Ligue des Champions cette saison, cela ne nous aide pas, merci. On reste chez nos voisins britanniques avec une information qui concerne cette fois la FIFA et son président Gianni Infantino. Ce dernier voudrait organiser désormais une Coupe du Monde tous les 3 ans, si on en croit le Daily Mail. En effet, il serait convaincu que ce mondial en hiver a changé la donne et il ambitionnerait donc maintenant de changer le cycle de la compétition. Il serait déterminé à mettre en œuvre sa révolution, même si d'après le tabloïd, il devra faire face à une bataille en interne, car cela ne fait pas l'unanimité. Pour l'instant, précise le Daily Mail, la FIFA a refusé tout commentaire. Le média rappelle également qu'aucun changement n'est possible avant 2030. Allez, on part maintenant en Espagne avec le journal AS qui lui a encore la tête à cette Coupe du Monde 2022 et les deux géants qui ont marqué cette édition. Il s'agit bien évidemment de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, les deux meilleurs buteurs du mondial et finalistes de la compétition. D'ailleurs, ce sont eux qui font réagir du côté de Sport. D'abord, le quotidien catalan évoque le cas de la Pulga en couverture. Il est champion de tout, explique le média, qui revient sur tous ses nombreux trophées et qui nous livre au passage une info à propos de son avenir à Paris. Selon Sport, le PSG et Messi seraient en train de se rapprocher pour une prolongation, même s'il n'y a eu pour l'instant aucune négociation officiellement, comme le voulait l'Argentin qui voulait se consacrer à 100% sur le mondial. C'est maintenant chose faite et du côté du board parisien, on serait plutôt confiant quant à une prolongation, d'autant que des premiers mouvements ont été effectués notamment par le biais de Luis Campos pour poser les bases d'une négociation. On parlait tout à l'heure de Mbappé, et bien encore selon Sport, son destin serait bien différent de celui de la Pulga. En effet, le quotidien explique qu'il devrait annoncer à Paris lors de son retour dans la capitale qu'il veut quitter le club à l'issue de cette saison. Florentino Pérez resterait très attentif à cette situation dans le but de le faire venir à Madrid. Et puis direction la France, enfin avec nos Bleus qui sont arrivés hier soir à la maison. Ils ont été accueillis en héros place de la Concorde par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce mardi, c'est toute la presse française qui les remercie, à l'image du Parisien qui titre « Merci aux légendes ». Même chose pour la Dépêche ou le Télégramme. C'est aussi en une du Figaro qui ajoute que maintenant les Bleus mettent le cap sur l'euro. On en parle aussi dans les colonnes du Progrès, mais l'info principale à Lyon, c'est le rachat officiel de l'OL qui a été annoncé hier soir. Une transaction qui va permettre à l'Olympique Lyonnais de prendre un nouveau virage, selon le journal local. On termine ce tour de la presse toujours en France avec l'équipe qui fait sa une sur le destin de Didier Deschamps. Rester ou partir, se demande le journal qui explique qu'au moment où Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale, Dédé, lui, aimerait continuer sa mission à la tête des Bleus. Mais d'après le quotidien, à une condition, pouvoir prolonger l'aventure jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et si cela se confirme, cela changerait tout pour un certain Zinedine Zidane, candidat favori pour la succession de Deschamps. Il attendrait toujours un départ de l'actuel sélectionneur pour prendre sa place, explique l'équipe. Mais si Dédé prolonge, il se remettrait alors sur le marché pour relever un nouveau défi, tout en attendant l'équipe de France qu'il garderait dans un coin de sa tête. Pour être complet sur les Bleus, je vous livre avant de partir une info FM sur le couac Benzema et son départ de l'équipe de France lors du Mondial. D'après nos informations, Kabe Nwebe, en arrivant au rassemblement avant le Qatar, n'avait pas souhaité réaliser un check-up complet souhaité par le staff médical. À l'entraînement, il s'est blessé de nouveau et s'est analysé de manière particulière par le staff des Bleus, qui ne comprend toujours pas le premier refus de Benzema. Peut-être vexé, le staff français demande donc aux joueurs de rentrer à Madrid pour se soigner définitivement. C'est aussi à ce moment-là que se diffuse l'idée d'un groupe apaisé par le départ de Benzema. Effectivement, d'après nos informations, sa présence était vécue comme un poids par certains membres de l'effectif, mais pas par tout le monde. Et ce sont ces éléments qui ont conduit cette fin en haut de boudin pour lui en équipe de France. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.